conscience. Non, je ne suis ni hérétique ni schismatique. Oh, Vierge Marie, Saint-Michel, Sainte-Catherine, Jésus. Mes voix étaient vraiment de Dieu. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait par ordre de Dieu. Mes voix ne m'ont pas trompée. Les révélations que j'ai eues sont venues de Dieu. Jésus, 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 Jésus. Dans le village de Domrémy, qui est uni avec le village de Greux. Mon père était appelé Jacques d'Arc et ma mère Isabelle. Une fille simple, née dans un hameau isolé de France, Domrémy. C'est le personnage du Moyen-Âge à propos duquel nous sommes le plus documentés. Comment cela se fait-il? Comment cela a-t-il été possible? Que raconte l'histoire sur elle? Si nous demandons à un catholique mal renseigné qui est Jeanne d'Arc, il pourrait nous répondre qu'elle était une sorcière, que l'Église a canonisée après l'avoir condamnée. Un événement historique de l'histoire universelle qui ne s'est plus jamais reproduit. Une adolescente en train de prendre le commandement d'une armée, ayant une mission guerrière, faire couronner le roi, avec une vision surnaturelle, rendre le royaume au véritable roi et seigneur, Jésus-Christ. À cette époque-là, la France vivait dans l'attente d'une guerre. Une guerre où les paysans devaient faire partie des armées royales. Les champs pouvaient être brûlés par les troupes d'un camp ou de l'autre. Les femmes pouvaient être violées, tuées, mutilées. Les hommes souffraient des conséquences de la guerre et même le bétail, car ils mouraient. Ce qui a produit un moment de grande pauvreté chez les paysans et même d'insécurité. Et c'est au milieu de cette situation que naît la future Jeanne d'Arc à Domrémy. Jeanne d'Arc est une jeune fille qui est donc née en 1412 en France, en Lorraine, à Domrémy, née dans une famille profondément chrétienne où elle a reçu une vraie éducation chrétienne, mais assez élaborée sur le plan de la spiritualité, qui est marquée à l'époque par la spiritualité de Saint Bernardin de Sienne autour du nom de Jésus. Jeanne était une jeune fille simple, une enfant simple, pieuse, qui craignait Dieu. Elle jeûnait, faisait l'aumône, travaillait avec son père. C'est une jeune fille qui est très pure. Son curé, justement, dit qu'il n'en a jamais eu de meilleur, qu'il n'en a jamais connu de meilleur dans son village et dans toutes ses relations. Elle est très proche des sacrements. «
elle a une vie de prière très profonde. Et en particulier, ses pèlerinages à Notre-Dame de Bermont, quasiment tous les samedis selon les témoignages du temps, et même en semaine, lorsque le témoignage dit, lorsque ses parents la croyaient à la charrue ou ailleurs, donc elle vient ici tout simplement parce qu'il y a la messe à cette époque-là, trois fois par semaine. Pour comprendre la mission de Sainte Jeanne d'Arc, il faut remonter au XIVe et XVe siècle. En 1328, le roi de France, Charles IV, meurt et le roi anglais, croyant avoir droit à la couronne de France, débarque en Normandie, anéantit la flotte française et commence ainsi la guerre des Cent Ans. Dès lors, les Anglais gagnent de plus en plus de territoires français, ainsi que des alliés en France. En revanche, le Dauphin, entre les années 1422 à 1429, est itinérant en France, n'a pas de ressources et a même des doutes sur sa propre légitimité parce que sa mère l'a trahi. Elle a affirmé qu'il est un enfant bâtard. La guerre de Cent Ans est le conflit qui oppose la France à l'Angleterre. Une France qui n'est pas telle que nous la concevons aujourd'hui, mais qui avait de grandes seigneuries féodales. Et une grande partie de ces seigneuries était détenue par le roi d'Angleterre. Dès le début du XIVe siècle, une crise dynastique se produit. Le roi Philippe IV le Bel, célèbre pour le procès de l'ordre du Temple, meurt. Son fils aîné laisse pour seule descendance une femme. Son autre fils ne laisse pour descendance que des femmes, de même pour son troisième fils. Et Philippe IV n'avait plus d'autres fils. À cette époque, la France se trouve face à un problème. Qui devrait être le roi? En Angleterre, sous l'influence d'Isabelle de France, mère du monarque et sœur du dernier roi mort, on décide de prendre les armes et de réclamer la couronne de France. Cela a lieu au milieu du XIVe siècle. Et c'est à partir de ce moment que la guerre commence entre les deux territoires. Et celle-ci allait durer jusqu'en 1453. Tout semblait indiquer que la fille aînée de l'Église allait être perdue au profit de la couronne d'Angleterre. C'est alors que le ciel utilisa Sainte Jeanne d'Arc pour que cela n'eût pas lieu. Quand avez-vous entendu vos voix pour la première fois? Quand j'eus 13 ans, j'entendis la voix de Dieu. La première fois, j'eus grand-peur. Cette voix vint en été, vers midi, dans le jardin de mon père. La première manifestation a lieu quand elle a fait sa première communion, à ses 12-13 ans, à l'heure de l'Angélus, en été. Et là, la première locution, ce qu'on appelle l'Annonciation. Je suis Saint-Michel, protecteur de la France. Jeanne, il est nécessaire que tu vives différemment et que tu accomplisses des actes surprenants, car tu es celle qui a été choisie par le roi des cieux pour accomplir la restauration du royaume de France et pour aider et protéger le dauphin Charles, chassé de son domaine. Tu t'habilleras en homme et tu prendras les armes. Tu seras chef de guerre et tout sera régi par ton conseil. À partir de son oui, après l'Annonciation par l'archange Saint-Michel, on peut dire qu'une fontaine de grâce rentre dans cette âme. Pourrions dire que sa première vertu est la fidélité, dire oui à la volonté de Dieu. La volonté de Dieu s'exprime à travers ce qu'il demande aux gens de faire. Jeanne a reçu une mission exceptionnelle. Elle a reçu des grâces exceptionnelles, des apparitions exceptionnelles. La volonté de Dieu sur elle a été qu'elle lui obéisse, et Jeanne l'a fait. Ce n'est pas une vertu d'obéissance contrainte, c'est une vertu d'obéissance d'amour. C'est sûr que faire la volonté du Seigneur ou être dans la volonté du Seigneur, c'est l'objectif de la vie chrétienne.
qu'on doit rechercher la volonté de Dieu. Et on demande d'ailleurs la grâce de l'Esprit-Saint pour connaître cette volonté de Dieu dans notre vie. Mais on lui demande aussi la force de pouvoir l'accomplir. Et en ce sens, Jeanne d'Arc est certainement un exemple merveilleux. Avez-vous vu Saint-Michel et les anges réellement et corporellement ? Je le voyais avec les yeux de mon corps, aussi clairement que je vous vois. Et quand ils partaient, je souhaitais être emmenée avec eux pour leur faire la révérence. Ce sont des voix qui vont commencer à s'intensifier, d'abord de façon sporadique, ensuite un peu plus intensément, aussi en ce qui concerne le message, et qui seront son conseil permanent. Elles la prépareront tout d'abord en lui parlant de la situation de la France, du triste état dans lequel se trouvait la France. C'était une fille qui n'était jamais sortie de son village, donc nous ne pouvons nous imaginer ce que cela impliquait. Lors des différentes étapes, selon la mission qu'elle avait dans la guerre, elles seront les meilleures stratèges et les conseillères dans la guerre, agissant comme une sorte de service militaire express, rapide. Au cours de son procès, elles seront ses meilleures avocates, ses meilleures protectrices, à tel point qu'à un moment, on demande Jeanne si elle veut choisir un conseiller parmi les propres juges, parmi les propres ennemis qui sont en train de la juger. Et elle répond « Non, je préfère rester avec mes conseillères pour ne pas m'écarter du conseil divin. » Il m'a dit que Sainte Catherine et Sainte Marguerite viendraient me rendre visite et que je devrais suivre leurs conseils, car elles avaient été nommées pour me guider et me conseiller sur ce que je devais faire, et que je devais croire sur ce qu'elles me diraient, car j'étais aux ordres de Dieu. Voilà, donc tout, on ne peut comprendre l'épopée joannique en la détachant de Dieu, et en particulier de ses apparitions. Les apparitions aujourd'hui dérangent, mais ce qu'il faut voir, c'est que c'est assez extraordinaire parce que les apparitions viennent régulièrement, y compris dans sa prison, y compris le dernier jour. Et fait plus extraordinaire, c'est que quand Jeanne a besoin de ces apparitions, elle les appelle et comme elle dit, elles viennent. Elles disparaîtront le dernier jour quand Jeanne sera sur le bûcher. C'est la seule fois que les voix vont se taire. Et elles vont se taire pour qu'elles soient configurées à notre Seigneur sur la croix, s'abandonnant complètement au Père. Les gens de cette époque étaient des gens très humbles. Il faut aussi garder à l'esprit qu'ils étaient pour la plupart analphabètes. Pour comprendre la mission de Jeanne d'Arc, il faut comprendre d'abord la situation historique. L'archange Saint-Michel lui dira que la première chose qu'elle doit faire, c'est de libérer Orléans. Ensuite, la deuxième mission importante, c'est de faire couronner le dauphin. Lui-même doutait de sa propre légitimité et Jeanne doit d'abord l'en convaincre, lui prouvant qu'il est l'héritier légitime et qu'il doit lutter pour cela. Il y a un fait qui semble étroitement lié à la première vie de Jeanne, puis à la réhabilitation qui est effectuée par la suite. C'est qu'il s'agissait d'un moment très tendu, où les gens avaient besoin d'un signe du ciel. Ce premier signe est venu de la main d'une femme nommée Marie d'Avignon. Elle a commencé, comme prophète, à annoncer l'arrivée future de deux événements. Le premier, un royaume qui allait souffrir beaucoup de malheurs, la France. Le second, celle d'une jeune fille qui ferait sortir la France de cette destruction, dirigerait les armées de France et couronnerait un roi français. La mission de Jeanne d'Arc au niveau surnaturel, ce sera déclarer la régence du Christ sur la terre. Voilà pourquoi elle est une avancée dans la lutte pour le règne du Christ sur la terre. On pourrait dire que c'est la Christera française. Et déclarer les rois français comme des lieutenants, c'est-à-dire une sorte de vicaire politique du roi du ciel qui est le roi de la France.
Après avoir reçu la mission, Jeanne d'Arc obéit à Dieu et elle gardera à ce propos le silence pendant 5 ans. Mais c'est là qu'arrive le moment tant attendu. Que faire? Jeanne doit s'approcher du dauphin. Comment y parvenir? C'est ainsi qu'entrera en scène la Providence, car un de ses oncles lui demande de l'aide pour qu'elle aille assister sa femme sur le point d'accoucher. Il vit à Vaucouleurs. Là-bas vivait aussi Sir Robert de Baudricourt. Or, c'est précisément à cette personne à laquelle les voix lui ont dit de s'adresser. Dans la crypte de l'église de Vaucouleurs est présente une image de la Vierge sur laquelle Sainte Jeanne d'Arc prie et s'en remet à elle pour sa mission, tout en ayant confiance qu'elle sera entendue. Jeanne d'Arc commence sa mission en quittant ses parents. Elle va se rendre à Vaucouleurs, où elle va rencontrer le capitaine Baudricourt, qui commandait la place. Il va avoir besoin de se laisser convaincre. Jeanne fera une prophétie, en particulier concernant la bataille du Rouvray, la bataille des Harengs, et l'annonce de cette défaite française va inciter le capitaine à lui faire confiance et à la laisser partir avec une petite escorte. Jeanne va traverser la France occupée et arriver à Chinon après être passée par Sainte-Catherine de Fierbois, où elle va rencontrer le roi Charles VII qui va la recevoir. Quand ils arrivèrent à Chinon, il dut attendre 2 jours avant que le dauphin veuille les recevoir. Une fois là-bas, il la mit à l'épreuve et se cacha parmi les personnes présentes. Jeanne, alors qu'elle n'avait jamais vu le dauphin, le reconnut. Elle lui dit « En mon Dieu, gentil prince, c'est vous et non autre. » Jeanne est vraiment un anti-système du XVe siècle. C'est justement pour cette raison qu'elle a eu tant d'impact lorsqu'elle apparaît devant le dauphin, le futur roi Charles VII, et qu'elle s'enferme avec lui. C'est un moment qui m'impressionne beaucoup, car vraiment, le roi est un roi assez craintif, non pas craignant Dieu, mais craintif. Lâche. Et le moment où ils se retrouvent tous les deux, seuls, et où Jeanne lui dit quelque chose que lui seul sait, et que tous les deux gardent dans leur cœur, et ensuite, lorsqu'il sort de cette pièce, et qu'il accorde le commandement d'une armée à une paysanne, ce qui s'est passé à l'intérieur de cette pièce est vraiment une œuvre merveilleuse de Dieu. C'est l'avant et l'après, n'est-ce pas? Le roi va consulter son directeur spirituel, qui va être très réservé sur la question. Et après quelque temps, il va donc l'envoyer être examiné à Poitiers par une commission de théologiens qui va étudier la véracité de ses dires. Jeanne va annoncer à cette commission la libération d'Orléans comme étant le signe qui va prouver sa mission. Au nom de Dieu, les soldats combattront et Dieu donnera la victoire. Je ne suis pas venue à Poitiers pour montrer des signes. Menez-moi à Orléans et je vous montrerai le signe pour lequel j'ai été envoyée. Le roi est toujours hésitant et les apparitions de Jeanne vont apparaître également au roi. Donc le roi va voir Saint-Michel, Sainte-Catherine, Sainte-Marguerite, les anges dans une scène que l'on appelle le grand signe et il va être du coup convaincu. Les anges vont venir lui redire quelle est sa fonction de roi, qu'il doit conduire son peuple vers son salut et lui remettre la couronne, l'annonce de la couronne qu'il doit recevoir à Reims. Le roi va alors confier une armée à Jeanne qui va se diriger vers Orléans. Pourquoi Dieu vous a-t-il choisi et non une autre pour libérer Orléans? Dieu voulait réaliser son œuvre par le moyen d'une humble et pauvre jeune fille.
Qu'avez-vous demandé à vos voix comme récompense? Seulement une chose, le salut de mon âme. Qu'elle s'offre à lever le siège d'Orléans avec l'armée n'avait aucun sens ni aucune possibilité. Jeanne va paraître à ce moment juste à l'heure signalée. La situation est tout à fait désespérée, la ville est encerclée en état de siège et il y a eu toutes les tentatives pour la délivrer ont échoué. Elle dirige l'armée qui arrive à Orléans, qui est l'un des bastions de la France. Orléans était assiégé de longue date et il n'y avait aucun intérêt de la part de la couronne française à la récupérer. C'était vraiment des escarmouches. S'ils en avaient vu l'intérêt, ils l'auraient récupérée, mais il n'y en avait pas. Quand Jeanne arrive, elle bouleverse tout le monde militaire car elle n'a aucune expérience militaire. Mais soudain, un jour, elle se lève et dit « Prenez cette tour en asphalte et mettez-la sans dessus-dessous. » Avec cette tour, elle brise le pont et permet le passage des troupes françaises. Et comme ça, elle passe d'être une pauvre stupide à être un génie militaire, suivant simplement une intuition, qui n'en est pas une, mais qui est mettre vraiment en pratique ce que Dieu lui disait. C'est-à-dire, suivre ce qu'il lui indiquait. Le 29 avril 1429, Jeanne arrive à Orléans, escortée d'une armée de 10 000 soldats. Les commandants donnent des ordres contraires à ceux de Jeanne, mettant en danger sa mission, et pour cela Jeanne les réprimande. Elle réalise ensuite deux miracles. D'abord, elle intervertit le sens du vent, puis elle augmente le niveau des eaux pour qu'ils puissent atteindre le rivage. À partir de ce moment, beaucoup crurent en elle, et l'espérance en sainte Jeanne d'Arc augmenta d'autant. N'ayez crainte! Attendez un peu! Au nom de Dieu, le vent va changer et tous entreront sans que personne ne les empêche! Ayez confiance en Dieu, il viendra en aide à la ville et il en chassera les ennemis! Lors des batailles d'Orléans, Jeanne a été blessée à plusieurs reprises. La deuxième fois, la seconde blessure, elle s'est retirée dans la prière et à son retour a déclaré « J'ai reçu une grande consolation de Sainte Catherine, et cela arriva le 8 mai. » C'était un dimanche. La Saint-Michel, l'une des voix, la voix principale, qui apparaissait et parlait à Sainte Jeanne d'Arc. Ce jour-là, les troupes anglaises levèrent le siège de la ville, de sorte qu'il n'y eut pas le bain de sang tant redouté, y compris par Jeanne d'Arc, qui aurait pu se produire pour finir de vaincre les Anglais. Jeanne d'Arc invente la préparation d'artillerie avant les conflits, ce qui sera quelque chose de neuf dans l'art de la guerre et qui durera jusqu'au début du XXe siècle. En 8 jours, Orléans est libéré. Il va y avoir plusieurs batailles successives de la libération de la boucle de la Loire. Les Anglais vont être chassés et là où auparavant il fallait quelques Anglais seulement pour mettre en fuite des centaines de Français, la situation s'inverse. Il y a un grand enthousiasme, une grande confiance. Dieu est à l'œuvre et montre la vérité de ce que dit Jeanne à travers un certain nombre d'épisodes que l'on pourrait qualifier de quasiment miraculeux dans cette campagne militaire. En réalité, cette guerre a vraiment commencé à être gagnée parce que Jeanne était tout simplement la messagère de Dieu. J'ai reçu ce message, je vous le dis. J'ai reçu cet autre message, je vous le dis. On m'a dit de faire ça, on va le faire. Oui, ça c'était son rôle. Ceux qui vous suivent, croient-ils fermement que Dieu vous a envoyé? Je ne sais pas s'ils le croient. Demandez-leur. Quant à moi, je peux vous assurer que c'est Dieu qui m'a envoyé. À chaque fois qu'il y a une église, elle rentre dans l'église, elle va prier. Elle demande à ses soldats aussi d'être en état de grâce avant le combat. Le soir, elle est réunie pour chanter Compli avec les prêtres. Et elle refuse les soldats qui ne se sont pas confessés avant. Les soldats suivent Jeanne d'Arc avec une grande confiance. Nous le voyons dès la bataille d'Orléans, également dans les autres batailles. Une confiance qui est fondée sur Dieu, parce que Jeanne va remettre Dieu au centre, en particulier en faisant confesser ses soldats, en leur demandant d'avoir une attitude de chrétien dans la bataille. On ne gagne pas la bataille en se conduisant mal. On ne combat pas le dimanche, on doit se comporter bien et
En cela, Jeanne apporte quelque chose d'autre, de plus, de nouveau, qui n'existait pas chez les autres capitaines. On peut dire que les soldats avaient aussi confiance dans leur capitaine d'habitude, mais là, il se passe quelque chose de plus grand et de nouveau. Cette vertu de force qui lui permet, au milieu des soldats, de rester vierge, de rester parfaitement forte dans son engagement et en même temps, sans doute, d'être chef de guerre, mais de ne jamais s'être servi de son arme. Et elle avait seulement son drapeau hein, qui galvanisait les troupes, sur lequel il y avait le nom de Jésus et le nom de Marie qui étaient inscrits. Les sources nous disent que Jeanne d'Arc a envoyé chercher une épée derrière un autel dans l'église de Sainte Catherine de Fierbois. On pense que cette épée était celle que Charles Martel avait utilisée lors de la bataille de Poitiers en 732, lorsqu'il avait vaincu les musulmans alors qu'il tentait de mettre fin à la chrétienté. Jeanne d'Arc, qui n'a jamais tué personne avec cette épée, mais l'utilisait comme arme pour se défendre, dit un jour « J'aime mon étendard plus que mon épée. » En qui fondiez-vous l'espérance de la victoire? En vous ou en votre étendard? Ni en moi, ni en mon étendard. Toute ma confiance reposait en notre Seigneur Jésus-Christ. Sur cet étendard, qu'elle dira qu'elle aime beaucoup, qu'elle aime 40 fois plus son étendard que son épée, toute sa mission est résumée. Qu'aimez-vous le plus, votre étendard ou votre épée? J'aime 40 fois plus mon étendard que mon épée. Je prenais mon étendard quand nous allions à l'assaut, pour éviter de tuer quelqu'un. Je n'ai jamais tué personne. Tout l'étendard m'a été dicté par mes voix, dit-elle. Et elle, à son tour, elle va le dicter aux femmes qui vont broder et au peintre qui va peindre le Christ. C'était un grand étendard qu'elle portait toujours lors des batailles, justement pour unir l'armée. D'un côté se trouvaient Jésus-Christ, roi, et les deux archanges qui lui apparaissent, Saint-Michel et Saint-Gabriel, sur la partie latérale. Et il était inscrit Jésus-Marie. Et de l'autre côté, brodé, le blason de la France avec une colombe tenant une inscription de la part du roi du ciel. Des reliques de Sainte Jeanne d'Arc? Eh bien, en principe, il a semblé qu'il n'y en avait pas, mais la Providence a voulu qu'il en reste une et quelque chose de très personnel, qui avec le temps revint à la France, son anneau. Avez-vous des anneaux? Vous en avez un, moi. Rendez-le-moi. C'était même le cœur du procès. Pourquoi? Parce que l'évêque Cochon et les inquisiteurs accusaient Jeanne de sorcellerie. L'idée étant de faire passer le roi de France, le dauphin, Charles VII, pour fou. Un fou, c'est quelqu'un qui s'allie à une sorcière. Et donc, pour retirer au dauphin toute forme de légitimité, au sens spirituel du terme, au sens du Saint-Crème, des saintes huiles, du sacre de Reims, il fallait la déclarer sorcière, puisque c'est elle qui l'a emmenée à Reims pour son sacre. Alors pour Jeanne, l'anneau revêtait une triple importance. D'abord une importance sentimentale, parce que l'anneau lui a été donné par son père et sa mère. Ensuite, cet anneau a touché Sainte Catherine au moment des apparitions. Et donc cet anneau est irradié en quelque sorte par ses voix. Et enfin, cet anneau, elle l'embrassait avant chaque bataille. C'était symbolique. Elle embrassait l'anneau de Sainte Catherine, l'anneau de ses voix, l'anneau de son père et de sa mère.
pour implorer un secours. Alors, le Puy du Fou a accueilli l'idée de se porter acquéreur de l'anneau à la suite d'un coup de téléphone de mon ami Jacques Trémollet de Villers, qui était un grand spécialiste de Jeanne d'Arc et qui a appris que Timeline Option, une grande maison d'enchères britannique, allait vendre l'anneau 3 jours après. Une vente mondiale. Alors nous avons organisé l'accueil de l'anneau en grande pompe dans la cour du château du Puy-du-Fou, en présence du 1er bataillon de France, c'est-à-dire Saint-Cyr. C'était une très belle cérémonie, l'anneau était dans une châsse, tout le monde venait s'incliner devant l'anneau. Eh bien si, Jeanne d'Arc a été véritablement reine de France pendant un instant. Comment cela se passa? À l'abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire, et dûment documentée par les notaires royaux, a eu lieu l'appel comme une triple donation. Il y a dans la vie de Jeanne d'Arc un fait très important, en général ignoré, même des historiens catholiques. Jeanne d'Arc fait appeler les secrétaires et les notaires du roi. Et devant lui, elle lui fera faire une promesse qui va rester par écrit, justement pour prouver que ce n'était pas un caprice de sa part ni quelque chose de passager. Mais l'un des actes les plus importants de sa mission. À ce moment, elle va demander au roi « Majesté, je vais vous demander quelque chose. Êtes-vous prêt à me le donner ?» Le roi, après avoir vu le miracle du siège d'Orléans et après avoir vu ce que cette jeune fille avait fait pour lui, je crois qu'il ne pouvait rien lui refuser. Et il répondit « Oui, j'y suis prêt. Que veux-tu, Jeanne ?» Sire, donnez-moi votre royaume. Je vous donne mon royaume. Notaire, écrivez. Le roi Charles VII donne son royaume à Jeanne. Jeanne donne à son tour la France à Jésus-Christ. Nos seigneurs à présent, c'est Jésus-Christ qui parle. Moi, Seigneur éternel, je la donne au roi Charles. Jeanne fut aussi reine, non pas par dynastie, mais par mérite pendant quelques secondes. Et son seul acte de gouvernement en tant que souveraine fut de remettre le royaume de France entre les mains de Jésus-Christ. Lorsqu'il est devenu clair à Saint-Benoît-sur-Loire que le royaume de France appartenait à Jésus-Christ, elle part pour Reims, où le roi doit être couronné et oint comme roi de France. Jeanne l'accompagne. Et ce sera comme la transfiguration avant la passion. Fin juillet, autour du 27 juin, Jeanne va convaincre le roi d'être sacré à Reims et va commencer la campagne, ce que l'on appelle la campagne du sacre, en 15 jours. Elle va traverser un grand territoire ennemi, gagner toutes les villes et libérer la ville de Reims. La monarchie française est en effet liée à une élection divine. Elle est née avec Clovis au 5e siècle. Et c'est très important parce que le baptême de Clovis, dans une période où l'Europe se construit, où la Gaule n'est pas encore unie,
où elle est aux prises avec les barbares, qui sont devenus ariens, l'arianisme, qui est une hérésie très forte et qui détruisait l'Église et qui détruisait la foi en Europe et en particulier en Gaule. Clovis a été choisi par Dieu. Il a été mis en contact avec des grands saints comme Sainte Geneviève, patronne de Paris, comme Saint Rémy, qui était l'évêque de Reims, qui a beaucoup fait pour l'amener à la foi catholique, lui qui était un païen. Hein. Et le baptême de Clovis et la consécration comme roi de France de Clovis est l'origine d'une alliance particulière de Dieu avec notre nation. Tous les rois furent sacrés rois dans la cathédrale de Reims, selon le rite qui, j'insiste, faisait d'eux comme des lieutenants de Jésus-Christ, l'authentique roi de France. Après le sacre, le roi va cesser de faire confiance à Jeanne. Assez rapidement, quelque part, là où il faisait confiance à Dieu et à Jeanne qui lui montraient la route, le roi ne l'écoute plus et rentre dans une perspective de trêve. Le roi va signer une première trêve, de nombreuses trêves avec les Anglo-Bourguignons, et va se mettre en place une longue période d'inactivité. Jeanne, de son côté, a expliqué au roi qu'il pourrait avoir la libération de son royaume en moins de 3 ans, mais le roi ne la suit plus. Comme notre Seigneur, Jeanne sera trahie par les siens. Et Jeanne annonce cette trahison à ses plus proches compagnons le 23 mai 1430. Mes enfants et mes chers amis, je veux vous dire que j'ai été vendue et trahie et que je serai bientôt livrée à la mort. Je vous demande de prier Dieu pour moi, car je ne pourrai plus jamais servir le roi ni le royaume de France. Au mois d'avril 1430, Jeanne est à Lagny. Un jour, elle prie avec d'autres jeunes filles dans l'église de Lagny et elle obtiendra la résurrection miraculeuse d'un enfant qui venait de mourir afin qu'il puisse être baptisé. C'est également à cette période, autour de Pâques 1430, qu'elle recevra la prophétie qu'elle sera prise quelques mois plus tard. Jeanne avait été prévenue par ses voix à Melun lors d'une bataille dans les fossés de Melun qu'elle devait être prisonnière. Et elle avait dit je veux pas, mais si ça doit être, je veux que ça se passe très vite. Et puis finalement, elle n'a pas su quand elle devait l'être, mais elle a su qu'elle devait être prisonnière. Jeanne d'Arc sera, comme nous l'avons dit, trahie par les siens. À un moment, on va l'emmener à Compiègne, au nord de Paris. Elle va demander de l'aide, car c'était aussi une ville assiégée par les Anglais et qui ne voulait pas passer aux mains des Anglais. Quand elle sort pour défendre la ville, tout de suite quelqu'un crie « retraite » sans qu'elle l'ait ordonné. Alors toute sa troupe se retourne rapidement sur le pont qui était la seule entrée de la ville. Et avant qu'elle ne rentre, ce pont va se lever et on va fermer les portes. Elle va donc se retrouver là, seule, avec son frère et 2 ou 3 pages qui la suivaient. Elle est faite prisonnière par les Bourguignons, qui étaient des Français alliés aux Anglais. De sorte que Jeanne sera trahie par les siens et rapidement vendue aux Anglais par eux. Non pas au prix d'un esclave, sinon à la plus grosse somme d'argent qui pouvait être donnée à cette époque, c'est-à-dire 10 000 écus d'or. Et dès lors commencera son calvaire. Jeanne va rappeler au clair, à travers une parole très connue, que Dieu est premier servi. Et le message à l'Église, c'est d'abord celui-là. Le message au clergé que Jeanne donnera, c'est que Dieu doit être premier en toute chose et que le pouvoir spirituel doit rester dans son ordre, mais sans être soumis au pouvoir temporel. S'il y a un procès injuste dans l'histoire, ou l'un des procès les plus injustes, c'est celui qui est fait à la Pucelle d'Orléans. Jeanne d'Arc est devenue si célèbre et respectée par le peuple qu'elle est devenue un ennemi potentiel pour tous. Et c'est alors que d'un côté, il y a le peuple qui trouve cet espoir, un peuple simple qui accueille Jeanne comme le messager de Dieu et remercie le Très-Haut. Et tout cela est merveilleux, nous avons de l'espoir. Et d'un autre côté, il y a les dirigeants qui voient une fille, une paysanne, choisie par Dieu mais qui dirige des armées.
Et pourtant, la lecture que font les puissants, c'est que cette fille est dangereuse. Le roi de France informe des endroits par où Jeanne va passer et il ne lui donnera pas l'armée qu'elle lui demande. Elle reçoit une armée infiniment inférieure, sachant que cela provoquera sa possible capture par les troupes ennemies. Le procès de Jeanne d'Arc eut lieu à Rouen. Le procès a commencé le 9 janvier 1431. C'est l'Université de Paris qui voulait juger Jeanne. Et c'est eux qui ont voulu le procès, c'est eux qui l'ont organisé. Celui qui dirige, c'est l'évêque Cochon, Pierre Cochon, qui était évêque de Beauvais, qui donc normalement ne pouvait pas juger à Rouen, mais il y a eu une dispense particulière pour qu'il puisse se juger à Rouen. Elle était condamnée avant même d'être jugée. Jurez-vous de dire la vérité sur ce qu'on vous demandera concernant la matière de foi et ce que vous saurez ? En ce qui concerne mon père et ma mère, sur tout ce que j'ai fait après avoir pris le chemin de France, je jurerai volontiers. Mais pour les révélations qui m'ont été faites par Dieu, je ne le dirai ni ne le révélerai à personne, si ce n'est à Charles, mon roi. Alors, les chefs d'accusation sont très nombreux, mais au début, on ne les connaît pas. Jeanne, quand elle arrive devant le tribunal, elle ne sait pas pourquoi on va la juger. Il est vrai qu'à son époque, elle était considérée par ses ennemis et ses détracteurs comme une folle, une perturbée, une sorcière qui faisait de la magie. Mais vraiment, s'il y a quelque chose que Jeanne d'Arc ne faisait pas, c'était de la magie. Il y a d'autres saints qui font des miracles dans leur entourage. Mais les miracles de Jeanne, c'est que tout en obéissant à ce qui lui était dicté, les batailles étaient gagnées. C'est-à-dire, elle ne claquait pas des doigts et une flamme s'allumait ou une croix apparaissait dans le ciel. Non, elle ne faisait pas ce genre de miracle. Elle était simplement un moyen, un messager de Dieu, une messagère de Dieu. Une autre chose qui lui a été reprochée, par exemple, était comment elle osait s'habiller en homme. Si on a des cheveux longs et qu'on porte une armure, les cheveux, avec une cotte de maille, finissent par tirer. C'est pourquoi tous les chevaliers portaient une coiffe. Et sur le dessus de la coiffe, il portait des vêtements métalliques. Dans ce cas-là, une femme devait avoir les cheveux courts, s'habiller et se coiffer comme un homme. Parce que si on dirige une armée et qu'on porte une petite robe, personne ne va avoir de respect. Soyons honnêtes. Mais si on porte une armure, d'abord on protège le corps, il ne faut pas oublier qu'on est dans une guerre, et ensuite on respecte la personne parce qu'elle est en train de montrer l'exemple. Savez-vous si vous êtes en état de grâce ? Si je ne le suis pas, que Dieu m'y mette. Si j'y suis, que Dieu m'y garde. Jeanne va devoir endurer en prison et durant le procès des énormes pressions. Mais elle restera toujours maîtresse de ses actes. Quand on parle du côté obscur de ces légendes associées à la personne de Jeanne d'Arc, de ces légendes pas si favorables, automatiquement, ses détracteurs la considèrent comme une folle. C'est une pauvre fille ignorante. Dieu ne peut pas se manifester devant quelqu'un d'aussi ignorant. Je ne trouve pas de phrase plus classiste, plus impitoyable. Excusez-moi, mais qui sommes-nous pour décider pour Dieu ? Comment appelez-vous votre conseil ? Je présente mes demandes à Sainte Catherine ou à Sainte Marguerite. Et à leur tour, elles les présentent à notre Seigneur qui m'envoie ses réponses. Parfois, je dis intérieurement, « Très doux Jésus, par les mérites de votre sainte passion, je vous requiers, si vous m'aimez, de me dire ce que je dois répondre. » Enfin, non. Alors, à un moment, Cochon, l'évêque, le président du tribunal, lui a dit « Je vais vous donner parmi l'assistance là un clerc qui va vous aider et qui va vous défendre. » Et elle a dit « Je vous remercie beaucoup, mais
J'ai ma propre défense et je ne songe pas à m'en séparer. Et en fait, sa propre défense, c'était ses voix. Quand viennent les voix ? Elles viennent sans que je les appelle. Et jamais elles ne me manquent en cas de nécessité. Que disent vos voix ? Elles me disent « Ne crains pas, réponds hardiment, Dieu viendra à ton aide. » Au moment de son procès, elle qui n'est pas une personne cultivée, qui a tout juste appris à signer et à lire quand même et à écrire pendant le temps de sa captivité, eh bien Jeanne d'Arc a des réponses d'une lucidité face à ses juges qui sont des théologiens, qui sont des évêques, et avec beaucoup un sens de la foi surnaturelle, un sens surnaturel de la foi, elle répond avec tellement de clarté et de lucidité que même le catéchisme de l'Église catholique aujourd'hui la cite, hein, cite certaines de ses phrases. Par exemple, quand elle dit, quand on lui demande, mais est-ce que vous croyez vraiment en l'Église ? Et elle dit, Jésus et l'Église, m'est avis que c'est tout un. Donc c'est dit dans le catéchisme de l'Église catholique à propos du mystère de l'Église, qu'elle connaît de l'intérieur. Le procès de condamnation de Jeanne a été très dur pour elle. Non pas pour les conditions matérielles qui ont été très dures elles aussi et dont elle a souffert, mais surtout elle ne comprenait pas pourquoi elle était devant un tribunal d'Église. Que vous ont dit vos voix sur ce qui va arriver ? Mes voix me disent « Accepte tout de bonne grâce et ne te préoccupe pas de ton martyre. Tu entreras finalement au royaume des cieux. » Jeanne d'Arc fut accusée de sorcellerie, mais à mesure qu'elle se faisait interroger, il ne trouvait rien de contraire à la foi. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas lieu de la condamner. Mais ils la forcèrent à faire une confession publique et firent en sorte qu'elle se parjure pour la condamner. Elle sera jugée et condamnée comme hérétique, schismatique, bien qu'au cours de tout son procès, et on peut le lire et le relire encore aujourd'hui, il n'y a eu aucun mot sortant de sa bouche qui ne soit autre que son amour pour Dieu. Cochon accepte qu'elle reçoive la communion. À l'issue du procès de condamnation, Jeanne est condamnée comme relapse, c'est-à-dire comme étant retombée dans ses erreurs. On fait croire qu'elle a abjuré et on fait croire qu'elle est retombée dans ses erreurs. Elle a accepté sa mort. Elle a accepté son sacrifice. Maître Pierre, où serai-je ce soir ? N'as-tu pas d'espérance en Dieu ? Oui. Par la grâce de Dieu, je serai ce soir au paradis. Jeanne arrive le 30 mai, au matin, sur la place du Vieux Marché à Rouen, les pieds et les mains attachés, enchaînés, portant une tunique. La place du marché était pleine de gens. On dit qu'il y avait 6 000, 7 000 personnes et 800 soldats qui craignaient qu'elle s'échappe grâce au pouvoir qu'elle avait déjà montré. Et Jeanne arrive silencieuse en priant. Et tout le monde pleure sur le chemin. Même l'évêque Cochon pleurait. Tout le monde a pleuré. Et alors elle est dans une position, alors là, vraiment de martyr complet. Elle se recommande à Dieu, elle demande pardon à tout le monde, y compris aux Anglais, y compris aux juges, y compris à tous ceux qu'elle a pu blesser. Jeanne demanda près du bûcher une croix et paradoxalement personne n'en avait une à lui donner. Alors un Anglais, ému par son témoignage, fabriqua une petite croix avec des branches provenant du bûcher et la lui lança. Mais elle ne se contente pas de celle-là et en demande une plus grande.
Alors le confesseur partit en courant à la recherche d'une croix de procession. Cela est peut-être l'une des images qui nous émeut le plus. Jeanne en train d'embrasser la croix de procession. Je vous supplie de m'apporter une croix de l'église la plus proche et de la tenir élevée devant moi jusqu'à ma mort, afin que la croix sur laquelle Dieu est crucifié soit continuellement sous mes yeux. Jeanne va monter sur le bûcher, être attachée et souffrir son martyre en étant brûlée vive. Ses derniers mots seront « Jésus, Marie ». Elle regarde une croix que l'on a apportée devant ses yeux et en cela, eh bien, elle est l'incarnation, là aussi, de la sainteté, de l'acceptation du martyr. Elle vit ses derniers instants en union avec Dieu, en renouvelant, elle redira que jamais Dieu ne l'a trompée, que jamais ses voix ne l'ont trompée jusqu'au dernier instant. Je n'ai pas peur, je suis née pour cela. Lorsque Jeanne est brûlée sur le bûcher à Rouen, en 1431, ses juges, devrais-je dire ses bourreaux, entendent qu'il ne reste rien d'elle. Elle brûle. Et il y a une anecdote que tous les historiens ont relevée. C'est que le bourreau, avec une pelle, se retourne avec effroi, parce qu'il a vu le cœur de Jeanne, à demi calciné. Et il dit, il y a le cœur. Et les évêques répondent, mettez-le dans un sac. Le sac, dès l'après-midi, pendant les vêpres, sera jeté dans le courant de la Seine. Le procès en réhabilitation de Jeanne d'Arc commença le 7 novembre 1455 à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Charles VII a repris Rouen. C'est la dernière ville qu'il a repris. Et quand il a repris Rouen, il s'est fait amener les livres du procès. Et il les a donnés à ses juristes, et à ses légistes, en disant « qu'est-ce qu'on peut faire ?» Et les légistes ont dit « il y a énormément d'irrégularités dans ce procès, il a été mené quand même de façon très contraire à la loi. » Et en définitive, le procès a annulé le procès de Rouen, en disant qu'il était contraire au droit, à la loi, etc. Bon. Donc il est considéré comme n'ayant pas existé, et puis on en est resté là.
Et après, on a fait le procès de béatification, puis le procès de canonisation. La véritable réhabilitation se réalisera grâce au procès de béatification et de canonisation, mais à mon avis, cela n'a pas eu lieu totalement, car elle a été une sainte, c'est une sainte, en plus d'être sainte, c'est une reine, une vierge et une martyre. Dans le décret de canonisation, elle est reconnue comme vierge, mais pas comme martyr ni comme reine. Selon la triple donation, elle fut réellement dépositaire durant de brefs instants de la couronne de France en tant que reine. Je crois vraiment qu'au regard des fondements canoniques pour reconnaître un martyr en haine de la foi, il n'y a aucun doute que Sainte Jeanne d'Arc n'a pas encore été reconnue martyr par l'Église, mais la Providence suit son propre agenda, et si on a attendu 500 ans pour la canoniser, Dieu sait davantage, et sa Providence par conséquent, le moment venu, pourvoira. L'évêque d'Orléans, Monseigneur Dupont-Loup, avec tous les évêques des villes où était passée Jeanne, demande au pape d'ouvrir le procès de canonisation. On ouvre sa cause en 1869, un moment très difficile pour l'Église car elle lutte pour la sauvegarde des États pontificaux durant le Concile Vatican I, de sorte que sa cause sera pratiquement suspendue, mais elle au moins débutée à ce moment-là. Celui qui va avoir l'honneur de se charger surtout de la cause de béatification et de canonisation, c'est un autre évêque d'Orléans, Monseigneur Touché, qui malgré de très nombreuses difficultés rencontrées, est le grand héros de la cause de Jeanne d'Arc. Il y consacrera toute sa vie et en fera une affaire personnelle. En fait, quand il se rendit à Rome avec tout le dossier, il rencontra l'avocat du diable de la cause, le cardinal Parocchi, qui lui dira « Vous voulez faire sainte une fille qui s'habille en homme, qui partit en guerre pour obtenir la paix, qui en plus fut condamnée par un tribunal de l'Église comme une sorcière. » Et vous souhaitez en faire un modèle pour l'Église. Enfin, vous allez avoir. Vous allez devoir le prouver, parce qu'une religieuse, une bonne mère de famille, cela irait tout seul et on peut rapidement canoniser. Mais pour cette jeune fille, attendez-vous à des difficultés. Nous vous croyons, mais il vous faudra le démontrer. Alors il sollicite une audience au pape Saint Pie X pour la béatification. Et quand il rentre dans le bureau du pape, il se rend compte que sur son bureau, le pape a deux statuettes, celle du curé d'Ars et celle de Jeanne d'Arc, qui était à l'époque vénérable. Saint Pie X la déclarera bienheureuse. Plus tard, ce sera Benoît XV qui la canonisera. Et finalement, c'est le pape Pie XI qui proclamera Jeanne d'Arc la patronne secondaire de la France. Il n'y a aucun doute qu'étant patronne secondaire de la France, elle poursuit une seconde mission depuis le ciel qui lui a été confiée par Dieu. Jeanne depuis le ciel, sa mission se poursuit et si c'est possible, elle est aujourd'hui plus urgente et nécessaire qu'en ces derniers temps de l'antique chrétienté. La mission principale de Jeanne d'Arc était de rappeler au roi qu'il tenait son pouvoir du roi du ciel. C'est peut-être quelque chose d'important pour nous aujourd'hui, de nous rappeler que tout pouvoir humain, même dans l'ordre temporel, vient de Dieu, qu'il s'exerce pour le bien commun des personnes qui sont autour de nous, mais que, ultimement, ce bien commun nous conduit à Dieu. La mission de Jeanne est encore d'actualité. Elle est plus que jamais d'actualité. Je dirais qu'elle n'est que d'actualité. C'est tout sauf une histoire. C'est une histoire présente. Le paradoxe, c'est que dans un pays effondré sur lui-même, qui a perdu toute substance spirituelle, qui prépare une société sans père, sans origine, sans horizon, où l'idée de famille, si chère à Jeanne d'Arc, est en train de se diluer. Elle est toujours là. Et elle fait l'unanimité, malgré tout. On a besoin des saints, on a besoin du mystère pour se raccrocher à lui, pour se raccrocher à eux quand tout va mal. Et donc c'est la raison pour laquelle je dis qu'elle n'est que d'actualité, puisque
tout va mal. Et on se dit peut-être que Jeanne peut faire quelque chose. Alors c'est sûr qu'elle est considérée comme une héroïne nationale, et c'est vrai que c'est héroïque, hein, une jeune fille de 17-18 ans, capable d'emmener une foule de soldats, de chefs militaires au combat, et d'être vraiment chef de guerre. C'est inimaginable. Hein. Et donc il y a de l'héroïsme à travers sa vie, on le voit bien, en particulier pendant sa captivité, où cette frêle jeune fille est restée fidèle à la volonté du Seigneur, malgré la persécution et malgré le traitement inique dont elle a été l'objet. Mais la sainteté, ce n'est pas de l'héroïsme. Parce que la sainteté, et c'est ce qu'on voit dans une frêle jeune fille, comme on le voit aussi dans les jeunes martyrs des premiers temps ou des temps d'aujourd'hui, c'est la force de Dieu que j'accueille et qui me rend capable de poser des actes qui sont divins et qui sont au-dessus de mes forces. Voyez, un héros, c'est quelqu'un qui puise dans ses forces, dans ses vertus, dans ses capacités humaines à se surpasser. Alors qu'un saint, c'est quelqu'un qui accueille la grâce de Dieu. Jeanne d'Arc est une sainte parce qu'elle a accueilli la grâce de Dieu, elle a dit oui à Dieu et elle a accompli des actes qui dépassent effectivement l'entendement et qui dépassent et qui excèdent les capacités humaines. Mais elle a puisé sa force non dans ses propres vertus héroïques, mais dans la grâce et dans la force du Seigneur.